Bonjour tout le monde et bienvenue pour cet épisode numéro 3, je crois, sur Skyrim Special Edition. Attention, hein. Attention, rigole pas. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Alors la dernière fois, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir le Jarl et qu'on a volé une gemme. Et maintenant, on va tout simplement continuer l'aventure. Allez, allons-y. Ok, so. Alors. Il faut qu'on aille faire un truc très précis, c'est-à-dire... Allez là. C'est-à-dire qu'il faut... Je savais pas comment faire ça, disons. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille retrouver la pierre du dragon. Et oui, c'est bien sûr. Sauf que... Ok, très bien. Être des chutes tourmentées. Oui, alors pour y aller, on va juste se téléporter à un rive bois, tout simplement. Hein. On va pas passer par 40 000 chemins. Voyez-vous. Et on va aller là-bas. Alors, il doit y avoir un chemin... Oui, parce que la première fois que j'ai joué, alors je vous explique deux secondes, parce que je trouve ça drôle. La première fois que j'ai joué à ce jeu, il fallait aller là-haut, ou je sais pas où là, pour aller voir les mages là. Et je me suis dit, ok, bon, on va essayer de trouver un chemin. Je partais de là, j'ai essayé de passer par là, j'ai essayé de passer par ce côté, j'ai mis 10 000 ans, passer par là aussi c'était pas possible. Du coup, je me suis retrouvé à devoir faire tout le tour à pied. Et en fait, il y a un chemin à prendre, tout simplement. Celui des 7000 marches, bien connu. Maintenant que je le sais. Mais avant, je savais pas. Et du coup, bah, j'ai mis genre 10 ans pour rien. J'ai perdu genre je sais pas combien de temps. Et au final, ça m'a un peu désespéré. Du coup, j'avais arrêté de jouer pour ça à ce moment-là. Ce qui est un peu con. Ouais. J'avoue. Mais peu importe, juste pour dire ça. Bon, du coup, il doit quand même y avoir un chemin qui doit passer. Je sais pas, ça se trouve, il passe par là. Et je suis bien deg. On va voir. Attends, c'est quoi le nom? Quel est le nom de cette chose? Chute tourmentée. Alors, les chutes tourmentées, ça doit peut-être être sur les pancartes. Peut-être que c'est sur les pancartes, chute tourmentée. Riverwood, Elgen, Marcas, Kriten. Non, c'est pas sur les pancartes. Ça, c'est la grosse montagne. C'est pas celle où je dois aller, quand même. Dites-moi. Non, ça c'est la grosse montagne, c'est juste de l'autre côté, donc ça doit être là-haut, j'imagine. Bon, on va essayer de voir si on peut pas trouver un chemin. Chemin, quel outrassant. Cool, forest. On va essayer de pas traverser à travers, pas passer à travers bois et tout, parce que moi, est-ce que là-haut il y a peut-être un passage éventuellement. On va essayer quand même. On est vite. On serait pas des fifous un peu. Arrête de sur des petits. Hey, ça veut dire qu'il y a un chemin, hein. C'est genre, hey, passez par là, suivez les petits rochers, comme quand on fait de la rando. Ah ah, des marches. Ah ah, c'est sûrement par là du coup. Très bien. J'ai eu peur que ce ne soit pas le cas et que je me retrouve à marcher pendant encore 10 millions de kilomètres. Mais ça m'a l'air de par là. À moins que ce soit juste un passage pour arriver à cette tour. Éventuellement. Non, il a l'air d'avoir un passage là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette tour, dis-moi. Si tu veux le lapin. Quelle bonne surprise. Oh là, des bandits. Oh là, bandits. Comment on fait déjà? Voilà, c'est ça. Compétence. Non, c'est pas ça. Destruction. Guérison. Conjuration. Attaque pas encore toi. Destruction fable. Ou 16 par seconde, mais ça fait exactement le même nombre de points de dégâts. Donc voilà, ce sera très bien. Allez, crevez tous, bande de bandits. Ah ah. Cours, vol. Je vais les avoir, mais faut pas que je puisse. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin. Débile. Pourquoi tu utilises pas la magie?
Voilà, comme ça. Crève, crève, dame au bouclier. Je passe plus de magie. Sur, sur, sur. Ah, il est critique. Il restait qu'une seule flamme. Parfait, c'est bon. Du coup, j'ai pas rencontré de marchand au final là. Dis-moi, si je me trompe pas. Objet. Douce. Poids 84 sur 300. Ah, si, quand même. J'ai pu vendre des trucs au final. Ah, bah, si, j'en ai rencontré. C'est dans l'autre jeu que j'en ai pas rencontré. Enfin, voyons. On va prendre une potion aux soins légères. Et du coup, on va voir si. Clé du donjon, clé de la maison de Gerbe. On va juste voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer sur eux. Quoi ? Poids, poids 4, 13. Bon, moi, je peux récupérer un peu tout, hein. Par ça, peut-être, on s'en fout. On va récupérer les trucs chers, disons. Genre ça. Ça. Alors, on va récupérer tout ce qui a plus de 50. Hein. Truc en dessous, on va pas les prendre. Sinon, on va très vite être full, je pense. Sur l'or et les crochets, ça en prend. Évidemment. Évidemment. Et l'armure coûte. J'ai déjà 141 alors, merde. 42 maintenant. Alors que j'ai pratiquement rien fait, j'ai ouvert 3 bandits pourris. Il doit y avoir des trucs là-dedans, hein. Éventuellement. Une tour de guet ou quoi, voilà. Il y a juste une tour avec rien dedans. Étonne. Chercher tonneau. Pas de sel. Ok. Chercher sac de farine. Ouais. Prendre une lanterne. Ça peut être utile toujours. Pas de sel. Ça se vend cher le sel, non? Éventuellement. C'est pas une denrée rare à l'époque. Dans mon ruine, je sais pas, mais. Hey! Sur l'escalier, on a dit. Ah! J'avais bien! Un coffre! Excellent! 4 crochets, 64 d'or, mais c'est parfait! Parfait, parfait ça! Bandit. Ils avaient récupéré quelques trucs à des passants. Hein. Ah là là. Bande de vilains. C'est pas bien ce que vous faites. Hein. Attaquer des gens pour récupérer ce qu'ils ont sur eux. Oula, je suis tombé. C'est le mal. Mais bon, est-ce qu'on se foutrait pas un peu? Oui, bien sûr! Par contre, j'ai récupéré une potion, mais je sais même pas si, si genre on récupère sa vie au fur et à mesure. Ça doit être par là. Ouais, il y a toujours les pierres, donc ça doit être bien être par là. Bah, ici le chemin à 7000 marches, ça doit être beauté. Ou je me serais vraiment trompé, genre comme une grosse merde. Non, je pense pas, hein. Ça doit être là. Ouais, les trucs autour d'ici. Ah, mais d'accord, quand j'appuie sur les deux touches en même temps. Ah, c'est pour ça alors. Fort bien. Est-ce qu'on peut, genre, esquiver? Ah, j'ai dit. Un archer. Ah oui, la vie se récupère automatiquement. J'ai même pas besoin d'utiliser de. Tu brûles, gros. Là, si t'as vu. Merde. Là je perds quasiment pas de vie. À moins que ma vie soit plutôt. Mais non mais je suis con, ma vie c'est trop rouge, j'ai pas le truc vert. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'es pris pour qui là? Tu crois que tu vas t'en sortir ou quoi? Il est fou lui. Je veux ton arc, ma poule. Si tu crois. C'est la fête ou quoi? Ouais, un arc et des flèches. Allez. Une pioche ça peut servir ça, non? Ouais, dague de fer, on se fait les couilles. Valeur 50. Armure de peau. Allez, prenons ça. Prenons ça, au pire, je jetterai les trucs au fur et à mesure, même si c'est un peu chiant. J'avoue. Hache d'armes fait à valeur 55, on prend. Ça, c'est de l'or gratuit, on va pas dire non. 50 aussi. Hop, on prend tout ça. Très bien. Épée de fer, 25, on s'en fout. Décrocher de l'or, ça, c'est bon, ça. Et une armure coûtée, on prend. C'est plus de 50 de valeur, moi je prends. Hein. Au moins au début.
Après on verra, peu importe. Après il y a pas mal de bandits dans le coin. Et du coup j'ai pas de genre... comment on fait pour les aptitudes et tout, pour dépenser nos points? Je suis toujours niveau 1 donc j'imagine que ça sert à rien. C'est pas comme si j'allais pouvoir... Destruction de novice. Double destruction. Double sort de destruction permet d'obtenir des effets encore plus puissants. J'imagine que quand je passerai niveau 2, je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. En attendant, essayons déjà de passer niveau 2. Après, on verra. We'll see, we will see. Un poteau en bois, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. C'est quoi ça? Pagnard. Ah, c'est le truc que j'avais récupéré, bandit. Putain, pourquoi ils sont morts? Non, fait d'acier, je m'en bats les steaks. Ça pèse combien cette merde là? 6. Ouais, je vais vite atteindre les 300 quand même. Pour que je puisse porter plus de trucs. Salut les gars. Ils sont pas avec moi là. Vous voulez brûler, c'est ça? Eh ben brûle, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Crois quoi toi? C'est la fête ou quoi? Wow. Eh oui, tu meurs. Arc de chasse. Ça je prends parce que ça pèse rien. Ça je prends et puis je vais arrêter de prendre des trucs. Maintenant on va passer à 75 maintenant. Allez. Ah! Comment je vais faire ça? Nice! Je crois que j'ai commencé à comprendre le principe. Voilà, on dit décrocher toujours, on en prend. C'est toujours utile. Parchemin! Les morts vivants de niveau 35 et inférieur qui entrent dans le cercle fuient. On se procure 20 points de santé par seconde à l'intérieur du cercle. Ouh! Il passe une potion de vigueur, le reste. Cool tout ça. Il n'y a pas encore de trucs à récupérer un peu partout. Allez, faites pas les timides. Donnez-moi vos coffres. Pas des trucs de valeur 75. Décrochez de l'or. Oui, non. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de trucs en valeur 50. Alors bon, si je commence à tout prendre. Comme je disais tout à l'heure, ça va pas le faire. Quoi. Après, je pourrais déjà virer tout ce qui est en dessous de cette valeur-là, éventuellement. De l'or! Youpi! Eh, j'ai déjà 700 d'or, je sais pas si c'est beaucoup, mais moi ça me paraît beaucoup. Si j'avais 700 euros comme ça, tomber, ce serait cool. On va faire ça. On va enlever tout ce qui a une valeur de merde. Donc, tac, ça c'est bon. On peut trier par valeur ou pas? I'm not sure. Restore 15 points de vigueur. La bière, c'est de la merde. Fout de ça. Bon, je l'ai bu, mais on s'en fout. Comment on fait pour lâcher R? R, R. Ça, c'est cool. Casque de fer, on garde. Ça, on vire, on s'en fout. Chitine de bazar. Ça peut peut-être servir à faire des trucs, qui sait. Qui sait? Moi, je ne sais pas. Dague d'acier, on s'en bat les steaks. 50, ouais, on garde. Les flèches, on garde parce qu'il y en a beaucoup. Gantelet impérial, on s'en bat les steaks. Ça fait que 40, ça! J'aime spirituelle insignifiante, ta merde. Bon, bah, au final, je me suis fait chier pour pas grand-chose. Valeur 55, ça, on va garder. Une lanterne, ça peut toujours servir. Ça, on peut l'utiliser ou pas? Attends, on peut l'utiliser qu'une fois? Ouais, je crois qu'on va pas le prendre. Je crois que c'est un truc qu'on peut utiliser qu'une fois, du coup, on va pas faire ça. Une pioche, bah voilà, ça peut servir toujours. Hein. Sac de farine, ça se vend. Hein? Ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Sel de givre de farangar. Ouais, ça se vend cher, ça. Hein. Une torche, ça peut toujours servir. Ça, on s'en bat les couilles. En plus, ça pèse lourd, je suis sûr. 224, putain, j'ai encore plein de trucs. Ouais, mais c'est tout ça, là, ça pèse lourd aussi. Hein. 30! Oh putain de merde. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Vide. Il y avait écrit vide, enfin, tu sais pas lire. Ne sais-tu donc pas lire? Bon, bah voilà. Continuons. Avançons dans le donjon. Attends, c'est quoi, le terre des chutes tourmentées? Je crois bien que c'est ça.
Non, je ne peux pas passer par là. Enfin! Quelle bêtise! Un ragnard mort. Ragnagnard. Ragnagnard. Qu'est-ce qu'on a là? Des morceaux de lin. Ça sert ça pour faire construire des trucs, non? Dans Guild Wars 2, ça servait à faire des gants et tout, genre. Vide. Vide, y a écrit, oh, enfin. Tu fais n'importe quoi. C'est lourd quand même le lin, on dirait pas comme ça, mais. Pourtant, je veux dire, poids 3 pour du lin, s'il vous plaît, quoi. Une armure, ça pèse moins lourd. Salut, gros. Là, comme tu veux. Mais alors. Oh là, il a plus de vie que prévu, lui. C'est quand même pratique la magie, hein. Genre, il me touche une fois sur. Ah oh. Recule, salaud. Meurs de ta vie. On finit par un coup de poing. Non. On finit par la. Il avait plus de vie que prévu celui-là. Masse de fer, on s'en bat les steaks. Or, torche. Valeur 50, on a dit qu'on les prenait plus. On en a assez. Très bien, très bien. Ça me régénère ma magie, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est quoi? Ah, il faut que je fasse une combinaison de sigles. Qu'est-ce qu'on a là? Serpent. Il y en a un haut, on peut les activer ceux-là aussi. Non. Ah, il manque celui-là. Ouais, du coup, c'est serpent quelque chose et. Ça va être serpent, aigle et orc. Ou baleine, je sais pas quoi. Potion de soin, valeur 2. Ouais, mais bon, au final, ça peut être intéressant. Au pire, je les dirai si jamais j'en ai pas besoin. Peu importe. Du coup, ça doit être ça, genre. Là, il faut que je mette serpent, aigle et baleine. Voilà. Ça doit être ça, je pense. Ah non, c'est serpent. Aïe, 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 non, c'est pas ça. Non, il est là, je suis con, il est là. C'est serpent, serpent et baleine. Ah, j'aurais dû regarder. C'était assez infâme, non, mon âme. Voilà, c'est bon. Je suis trop fort, appelez-moi Sherlock Holmes. Oui, bon, lui, il serait arrivé du premier coup. Forcément, ça c'est vide. Un coffre. Est-ce qu'il y a juste de l'or? Vas-y, je trouve plus sur un bandit. C'est une blague. Potion de soins légers. Voleur, livre. Je suis sûr qu'il y a plein de pages. J'ai gagné un niveau en plus. Ouais, alors il y a plein de pages. Alors je le lirai peut-être pour m'amuser un jour. C'est l'histoire du voleur. Mais je le lirai plus tard. Je me dis si jamais j'ai plus rien à lire chez moi, au pire j'irai dans Skyrim pour lire des livres. C'est parfait. Une seconde vie, comme certains disent. Waouh, 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 waouh. Calme les gars. Quoi ce délire? Ok, oh. Pep! Forêt. Que de ragnard, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Si jamais ça peut servir à faire des potions ou je ne sais quoi. Y'a rien dessous? Non. Bon, on va rester en visée comme ça parce que c'est plus pratique dans les espaces qu'on fait. Boule de feu parchemin. Et du lin. On prend aussi. Du lin, du lin, du lin, du lin, du lin. Ça se vend cher ça le lin. Attends, valeur 3. Si j'en ai 40, ça fait cool. Hein. Non, c'est pas lui. C'est plutôt moi en fait. Je m'appelle pas Orknir. Je m'appelle Youp, les gars. On va pas brûler ça. Sérieux? Ça sert à quoi que j'ai un truc de feu? Ah, mais il faut sûrement que j'utilise le parchemin. Eh oui, bah oui, forcément. De l'or sur les squelettes. Sympa. Sympa le squelette. Bon, on va utiliser le parchemin, écoute. Si tu veux que je te dise. Objet. Parchemin. Boule de feu. Voilà, utilisé. Voilà. Excellent. Oula, il y a un truc là-haut. Ça ressemble à une grosse araignée, je crois. Flamme. Flamme de lune. Oh. Aïe. Attaque. Ah. Aïe. Oh putain, je vais crever moi. Wow, 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 wow.
calme. Potion de soin. Ok. Attends. Je vais monter d'un niveau aussi tant qu'à faire, éventuellement. Lorsque vous passez à un niveau supérieur, vous devez choisir d'augmenter votre santé, votre magie ou votre vigueur. Vous avez également la possibilité de sélectionner un nouvel atout. Vous pouvez remettre le choix à plus tard. Les atouts disponibles sont mis en valeur dans chaque constellation. Et tu sais quoi, je vais augmenter ma magie. Ouais. Parce que je trouve que j'en ai pas assez. Conjuration, destruction. Pourquoi 25 ? Pratique de conjuration concerne la résurrection des morts et l'invocation des créatures d'Oblivion. Vas-y. Le lancement des sorts de conjuration, le sort de capture d'âme et le sort de capture. Ça peut être intéressant moi pour la grosse araignée parce que j'ai l'impression que je te fais pas trop de dégâts avec mon truc de destruction. Hein. Mais après, si je peux prendre la double destruction, ça fait encore plus puissant. Atout à augmenter. Comment je fais ? Comment je fais ? Demande 20, destruction 19. Non, je sais pas comment je fais. Pour augmenter un atout. S'il vous plaît ! Aidez-moi ! Fertilité, armure légère. Putain, il y en a masse, mon gars ! De ouf ! Atout à augmenter. Bah oui, je veux bien, oui. Et vous confirmez de vouloir cet atout. Sur le premier. Bah ok, je viens de le faire. Je vais commencer à 20 du coup. Ah, il faut niveau 20. Waouh! Aïe! Arrête t'es vite. Voilà, tu m'embêtes. Grosse araignée, méchante araignée. Ah! Pas gentil. Ah! Je ne mourrai pas contre toi. Vivre, père, blessé. Je sais pas si je vois la queue ou quoi. Ou si on a mis quelqu'un ou quoi, Agri les deux, entends. Eh tant pis, ton araignée est mort. Au secours, ah, il doit y avoir des gens qui sont pensés dans l'étoile d'araignée. J'imagine. Putain, sacrée étoile d'ailleurs. Venin de Givre Pia, c'est très stylé ça je pense. Aidez-moi à sortir de là. Sortir de où? Aidez-moi à sortir de là. Chercher cadavre. Que de Ragnar, on s'en fout. Or, au pire, si j'en ai besoin, je saurai où chercher. Et un crochet. Intéressant, tout ça. Faites-moi descendre. C'est-à-dire qu'il est en haut, ça. Mais il est où? Je le vois pas. Ouh, je le fais exprès. Allo, poteau, t'es où? Ah, mais il est là-bas, d'accord. Ah ouais? Pas ça toi? Ouais. C'est aussi con que ça. Tu meurs. Tant pis pour ta gueule. Griffe d'or. Épée de fer, c'est de la merde. Le journal, on va le prendre encore, on a envie de lire. 25, 10, 10, 10. T'as vraiment rien de rien d'intéressant toi. Bon. Remarque, attends, est-ce que c'est lourd? L'armure de peau là. 22 quand même. Non, c'est l'armure. Quoi, 5? Bon, vas-y. Hey, salut. Une petite gemme. T'as jamais de mort? Vide. Ah, là, y'a un truc là-dedans. De là! Pour prendre. Morceau de lin. Très bien. Le mec, il a cru qu'il pouvait s'enfuir comme ça en mode non, moi je ne te donnerai rien, salopio. C'est mort, mec, c'est mort. Je vais te laisser crever, tu sais. Tu t'enfuis comme ça, me trompant. Et même pas en rêve que je te laisse. Même pas en rêve. Hervel le vif. Ah bah vif mon cul, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, des tombes. Chercher d'ogre. Valeur 50. 278, attention, je suis presque au point maximum que je peux porter. Ah ok, très bien. Je crois que là, d'après ce que je me souviens, il y a des... Ouais, c'est ça, ils sont... Il y en a qui se réveillent. C'est plus compliqué quand j'étais pas en magicien. Je veux dire.
que j'essaierai pas les autres sorts un peu? Ou est-ce que j'attends d'avoir au moins le niveau 20 sur le sort de feu? Ça peut être intéressant aussi. C'est une épée stylée, mais elle vaut pas grand chose. C'est pas non nordique, 35. Mais moi je suis un mage, les gars. Farandole dans poids 12. Ouais, trop lourd. J'aime insignifiante, or, fine dust. Ça, ça pèse rien, moi j'aime bien. Plein de trucs qui pèsent rien, ça peut rapporter plus qu'un seul truc lourd. Qui pèse lourd. Ok. Est-ce que par hasard. Ah, bah ça y est, 21. Ben voilà. Ça veut dire que je peux monter ça, que je l'ai en fait. Tout simplement. Ou alors pas du tout. Je sais pas. Divise par 2 le coût de points de magie des sorts de destruction niveau Emovis. Ah, ok, je l'avais pas et maintenant je l'ai. Maintenant ça me coûte beaucoup moins cher de lancer les sorts. C'est pour ça que je l'ai pu faire beaucoup moins longtemps sur eux. En plus, j'avais plus de magie. C'est chiant. Allez. Oh. Ow. Saloperie de porte. Putain, j'ai fait exprès. Je suis un cassos. Bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres pièges? Ils vont tomber sur la gueule. Est-ce que la vie se régénère? Ça, c'était une question, ça, que je me posais. Bon, on va voir, écoute. Ah, ça a l'air de se régénérer un peu. Ah oui, oui, ça se régénère. Bon, mais c'est bon, j'ai pas forcément besoin d'utiliser des potions. Alors. On va les garder pour les moments critiques de ma vie. Ah, tiens, le réveil des drôles. Oh, faut juste que je fasse gaffe. Oh, putain de merde. Faut que je fasse gaffe à la porte derrière moi. Pas me... Je vais le prendre encore par la gueule là. Je passe par ici en plus. Hop, je passe par là, ils vont me suivre. Ils vont se prendre la porte. Et voilà, c'est là. Si tu veux. On va un peu ou. Comment ça se passe? Coup critique! Consulte pas. Ouais, heureusement que la porte a bougé, sinon je pense que j'aurais valeur 40. Après, sont stylés leurs armes, franchement. Mais bon, ça vaut rien quand c'est les flèches. Ouais, sont stylés leurs armes, moi j'aime bien. J'ai pas besoin d'armes, moi. C'est ça que tu comprends. Voilà. Hop, une petite hache de valeur 15, de l'or, ça j'aime bien. Ça, je prends le bouclier. Valeur 60. 291, il me reste plus grand chose comme place là. Hein. Faut que je finisse cette mission assez vite. Sinon, c'est la mort. Là, y'a un coup. Saute. Alors. Non! Mon crochet! Nice! 11, c'est tout. Un grenat, ça a l'air cool ça. Je prends. Alors comment je fais pour passer là moi? Hop. Oula. Wouhou. Easy. Activé. C'est activé. Qu'est-ce que c'est? Mon dieu. Oh! Ça me serait pas tombé sur la gueule ça par hasard si j'avais pas fait ça. Ou alors je peux plus passer du coup. Bon, c'est bon. Nickel, j'ai l'impression qu'il va encore y avoir des pièges qui vont me tomber sur la gueule. Tiens, dos, drogue! Crève, ta mère! Non mais! Va rêver. Lui là, il va se réveiller. Je pourrais l'attirer ici et faire tomber le. Salut. Bon, ça va, ça comme tu veux, c'est ta vie. Hop là. Mais comment je fais pour passer moi du coup? Non. Il brûle tout seul. Pourquoi pas? Ah, lui il a l'air d'avoir. Ah, il bouge. On voit pas s'il y a des murs derrière moi. De l'or.
Corindon. Du Corindon. Qu'est-ce que donc le Corindon? Pas savoir. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, de l'or. Oh, une couronne de cuivre. Ornée de runes onyx. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Pas savoir. Pas savoir, je sens que j'ai encore m'en prendre dans la gueule. Pourquoi? Mais là, il y a un chemin. Il y a des trucs derrière. Je suis sûr. C'est là d'où je viens? Oui, c'est là d'où je viens. I'm stupid. Ok, bon, ça a l'air d'être la fin du donjon. Ce qui est plutôt cool, du coup. Parce que j'ai pile ce qu'il me faut en matière de poids. Et donc, je vais pouvoir tout revendre. Ça va être tant bien. Je vais être riche. Riche. Ah non, pas du tout, en fait. C'est pas la peine. Pensez, mais en fait. Allez, saloperie de squelette. C'est quand même de la chair un peu. Oh, coucou. T'as de l'or? J'ai dit que je voulais ton or. Tu m'entends quand je te parle? Il doit y avoir des mods en mode des petits scripts pour récupérer l'or obligatoirement quand tu quand t'en rencontres. Bon, ça vaut rien. Bon, bah, moi, les steaks, j'en ai pas besoin. No need. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, là, il y a un truc. Et allons-y. Allons-y, ne perdons pas une seconde. Ça, ça me rappelle la grotte où j'étais la dernière fois. Récolter des champignons de luisant. Pourquoi pas. De rien de les prendre. On prend plein en plus, j'imagine. Allez. Je sais pas trop ce que je pourrais faire avec ça, mais ça peut servir. Je veux dire, champignons luisants, quand t'entends ça. Il fait nuit, qu'est-ce que tu fais? Je les sors. Simplement. 200! De ouf, je le prends! Bon, par contre, du coup, j'ai dépassé un peu le poids là. 30, non, ça je le prends, on sait jamais. Ça je le prends aussi, bien sûr. Ça aussi, parchemin boule de feu, potion soin léger. C'est parfait. On va juste. Du coup, rejeter des objets dont on n'a pas besoin. Qui sont pas très chers. Ce que j'ai déjà fait en fait. 60, 305. 50-50, 50-100, 55-100. Ouais, j'ai beaucoup trop de trucs, moi. Non, mais le venin, je le garde. Je dis que je gardais ce genre de truc. Non, je vais plutôt virer des armures que 50, là. Là, celle-là, par exemple, celle-là, poids 6, valeur 50. Ça se vire, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le problème, c'est que. Faut penser à ça aussi. Si je vire cette chose, poids 12, double. Eh oui, c'est mieux. Que je vire ça. Carrément mieux. Casque de fer. Poids 50, valeur 60. Ouais, mais ça, ça vaut 200. Je le garde. Poids 5, poids 6. Ça, je le vire. Peut-être devoir en virer deux autres comme ça, mais. Je sais que pour vous, peut-être que 50 c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est. Pour l'instant en tout cas. Voilà, parfait. 299 sur 300. On va faire comme ça. Là, ça va être une sortie, mais est-ce que ça ne tomberait pas sur un truc? Ou pas. Ah, ok. Non, je sais. Si je passe par là, je vais descendre. Et donc, je vais rejoindre. C'est-à-dire que lui va me tomber dessus par ici. Éventuellement. Je suis même pratiquement sûr de moi. Voilà. Et tu meurs pour tes péchés. Salopé. Au. Crève. Salopio. Bon, du coup, on va prendre toute l'or. Hein. Oh, une amulette. Non, j'ai trop de choses. Je ne peux pas courir. Je suis lent. C'est terrible. C'est terrible. Arme. Bon, on va virer d'autres trucs du coup. Non, valeur 90. Ah, mais c'est un truc ça. Espadon de fer. Poids 16, valeur 50. Ça, je le largue direct. Pas les couilles de ça. Quoi, 20, valeur 55? Une blague. Fais gaffe à ce que je chope moi des fois. Hein. C'est trop lourd, même si ça a la valeur, ça vaut pas le coup. On va récupérer beaucoup plus de trucs qui ont plus de valeur. Pour ça. Je sais qu'il y a un coffre en dessous, je crois. Est-ce que je me souviens?
Il y a peut-être des ennemis aussi, dans des rats. Des ragnards là. Cherchez mon squelette. De l'or, de l'or. On récupère. Je crois qu'il peut y avoir de l'or dans les ragnards. J'aimerais. Ah. Trop facile. Trop facile. Mais qu'est-ce que tu fais? Récupère ça. Farine d'os, je vais farandole d'os. Alors, je vais tout récupérer dans le coin. Eh, je peux pas aller là-bas, genre, je me baisse. Non. Continuons, continuons notre chemin, sortons de ce donjon. Donjon, les dragons. Pas du tout. Non, pas pour l'instant, tout. Récoltez, récolte-moi ces champignons de l'usin. Ça peut servir. Et au moins j'aurais pas besoin de revenir ici pour les avoir si jamais j'en ai besoin. Au pire je les mettrai dans un coffre. Je vais récupérer plus tard. Il y a des coffres dans ce jeu, je pense. Genre des trucs en mode pour stocker. En dehors que dans ton inventaire. J'espère. Tu crois que il faut que j'augmente ma force pour augmenter le poids que je peux porter. Ça doit être logique. Forcené ! Ça va. Putain, il a de la vie ce con. Même être un peu lassant hein. Oh, j'ai même pas... H nordique anti valeur bien sûr. Prendre l'or. Putain mais pour un mec qui était fort, il n'y avait pas grand chose sur lui. Le jeu est une logique étrange. Alors. Nice. Ah non ! Fuck. Casque de fer d'une valeur de 60, je prends 291. Flèche, 3-0. Crochet, or. Potion de magie légère, potion de soin léger. On prend tout. On prend tout et c'est parfait. Et on sort de cette grotte. Excellent. Pas du tout. Mais alors, pas du tout quoi. Je pensais qu'on sortirait, mais en fait, pas du tout. Là là là, voilà. Bon bah écoute, c'est mieux. Du lin! Du lin encore! Voilà, trop lourd pour sortir. Je sais pas si ça vaut le coup. En fait, actuellement. C'est-à-dire que, si vous voulez. Comment dire? Nourriture, ingrédients. Non, c'est pas là. Divers peut-être? Morceau de lin, ça j'en ai 19. Valeur 2, poids 3. C'est-à-dire que. En soi. C'est-à-dire que ça a moins de valeur que de poids. Vous comprenez ? Valeur 2, c'est-à-dire que ça me rapporte que même pas 50. Alors que j'en ai récupéré genre 19 quoi. Franchement, je pense que le lin, en fait, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Très bien. Très bien, maintenant ça devrait être bon. 253, bah ouais, ça pèse lourd le lin. Je pensais que ça me servirait et que ce serait. Mais j'avais pas vraiment calculé en fait. Pas correctement. Aouh ! Touché. Hey, c'est de drogue. Drogue primeur. Moi aussi. Je suis lent quand je lance de la magie. C'est la petite... De l'or, de l'or, de l'or. Récupérons l'or. Voilà, c'est tout. Pour l'instant en tout cas. Y'a rien là-dedans. Je crois qu'il y a un autre ennemi, non? Il y a un point rouge sur la carte. I guess. Il y a rien là-dedans. Il y a rien ici. C'est la mort, il y a rien du tout aussi. Ah, c'est qui m'a... Ah! Attends! Fuis, renégat! Meurs! Hey, de ta vie! Boum! Avec mes flammes de l'enfer! Je brûle! Mais j'ai fait tomber ça, non c'est plus que... Alors... Continuons maintenant que les ennemis sont bas. C'est la muerte.
même pas avec le devalier au départ. Juste rentrer là en mode. Ouais, ça va être là. Tiens, un pont. Claque ou l'aille. Simplement. Je parie que il y a des monstres qui vont sortir, que si je les attire, je vais pouvoir les exploser avec la boule de feu. Et là. Ou alors je me casse avec cette porte en fer. Cassons-nous avec cette porte en fer. Hop, excusez-moi, je remets juste mon micro en place de ce monde. Voilà. Je finis donc ce petit moitié. Cet épisode, petit épisode, sur la moitié à peu près du donjon, je dirais, je sais pas trop. Et je reprendrai donc la suite la prochaine fois dans le prochain épisode. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à la prochaine pour la suite.